Guadeloupe, actualité. Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et oui, KNF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi, en live Facebook et à 13h, en replay sur le YouTube de la chaîne Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout vous donner les bons plans, bien entendu, parce que souvent, vous savez, on n'a pas de voiture. Eh oui, on n'a pas d'argent pour acheter une voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire une petite location, mais on ne sait pas où louer. Pire, souvent on habite à Basse-Terre, mais on a besoin de passer le week-end du côté de la région pointoise, mais on ne sait pas où louer. Ah ben là, je vais vous donner quelques astuces en compagnie de Luc Ruffin. Qu'a nous fait? Ouais. En tout cas, je vais bien. Merci de me recevoir dans votre émission. Eh, c'est un plaisir, parce que là, franchement, tu vas répondre aux demandes de pas mal de Guadeloupéens. Déjà, première question, c'est nouveau pour toi d'être dans tout ce qui est location, parce qu'on rappelle qu'ils louent des gîtes, nom de berceau de Moïse, mais aussi des voitures avec RL location. On va détailler tout ça dans le détail, bien entendu, puisque c'est détaillé tout à l'heure. Mais est-ce que tu es dans le milieu de la location depuis longtemps, ou est-ce que c'est venu sur le tard? Oui, alors j'ai débuté par la location de voiture. Ok. Puisque RL location, ben, le mois prochain va fêter ses 10 ans. Ah ouais, quand même? Oui, voilà. D'accord, j'ai commencé par cela. Et puis par la suite, dès 2018 précisément, j'ai créé le berceau de Moïse. Ouais. Qui venait en complément de l'activité. Location de voiture, puisque bon, la location de voiture, dans un premier temps, c'était un but touristique. Ouais, exact. Voilà. Justement, est-ce que lorsqu'on loue au berceau de Moïse, on peut aussi, on dit, bon, tant qu'à faire, tu fournis la voiture en même temps? Oui, l'idée, c'est pour permettre, en tout cas, ceux qui sortent de la France ou ailleurs, ouais, ben, d'avoir un seul interlocuteur, parce qu'ils sont pris en charge par nos soins depuis l'aéroport. Ouais. Oh, quand même, okay. Voilà. Et ça leur permet, bon, de récupérer leur véhicule sous le parc et ensuite d'être conduit au domaine. Excellent. Alors justement, on en parlait il n'y a pas longtemps et on parlait du changement au niveau touristique. C'est-à-dire qu'on a énormément d'Anglais, Américains qui viennent, souvent aussi des touristes des îles anglophones et eux, la boîte manuelle, ils ne sont pas très sur ça. Ils ont déjà zappé. Est-ce que RL Location s'est adapté justement à ce genre de touristes et donc propose aussi des boîtes auto? Oui, oui. J'ai toujours eu des boîtes auto. Et okay, c'est vrai que depuis les deux dernières années, on va dire, ouais, bon, ben, la demande se fait ressentir davantage. Donc j'ai considérablement augmenté le parc, ouais, que ce soit par les petites catégories A ou aller jusqu'au SUV. Par exemple, des Peugeot 3008 en boîte automatique. Donc ça, c'est des voitures, effectivement, qu'aujourd'hui, même en 7 places. Ouais. Et dernière acquisition faite, même un minibus, un 9 places, ah ouais, aussi en boîte auto. Justement, tu viens de nous énumérer pas mal de tes produits et de tes voitures. Quel style de voiture peut-on trouver chez RL Location? Voilà, là, parce que là, c'est super intéressant, le minibus 7 places, j'ai envie de vous dire, quand vous partez, vous êtes nombreux et compagnie, vous allez faire le tour de la Guadeloupe, ça c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc est-ce que tu as des produits justement un petit peu atypiques, genre le minibus, que tu peux proposer? Tu as genre des limousines, des trucs comme ça? Non, j'ai pas de limousine, mais en haut de gamme, j'ai du 3008 et ouais, du 5008 en okay, boîte auto. Donc le 5008 qui est en 7 places. Et ben, sinon, un peu de tout, mais essentiellement, effectivement, mon parc est axé essentiellement aujourd'hui sur la marque Peugeot. Ouais. Voilà. J'ai trois ou quatre petites marques du genre Kia, mais bon, en boîte automatique, oui, puisque malheureusement chez Peugeot, je ne trouvais pas l'équivalent en petite catégorie en boîte auto, ouais, puisqu'on démarre exact en catégorie B directement, qui est la Peugeot 208. Ouais. Donc je me suis approvisionné chez Kia pour avoir les petites catégories en boîte automatique. Mais sinon, la location est un parc assez varié, hein, de la petite catégorie jusqu'au minibus,
Aujourd'hui, c'est quand même une société qui représente plus de 110 véhicules aujourd'hui. Ouais. Et en passant par les SUV, même les utilitaires aussi, pour les artisans. Voilà. Ok, excellent. Justement, est-ce qu'il y a de plus, parce qu'au début, ta cible, c'était les touristes, on ne va pas se mentir, oui. Mais est-ce qu'au fil des années, puisque comme je l'ai dit souvent, les Guadeloupéens soit perdent leur voiture, soit n'ont pas envie de faire trop de dépenses au niveau de l'automobile, mm-hmm. Est-ce que les Guadeloupéens louent de plus en plus? Est-ce que tu sens que ta cible a changé ou s'est élargie? Oui, alors elle s'est, on va dire, élargie, pas changée, puisque ouais. C'est vrai qu'on le voit bien, c'est surtout dans les périodes de la haute saison dite touristique qu'on a le 100% des véhicules qui sortent. Okay. Il est vrai que hors période touristique, bon, nos locaux louent aussi hein, quand même un peu, puisque bon, soit des problèmes de voiture, véhicules en panne ou pour X raisons. Hein, exact. Ça peut être un problème ponctuel ou quelquefois ils louent un véhicule au moins sous un mois ouais. Pour des raisons pratiques, ouais. Parce qu'ils ont un enfant ou un parent qui est là de façon provisoire. Ouais. Mais le but, c'est vrai que j'aurais souhaité en tous les cas développer davantage mon entreprise avec les locaux ouais. Pour éviter de subir les fluctuations, on va dire, de la haute saison et la basse saison. Voilà. Justement, en règle générale, il faut, on peut louer une voiture, réserver une voiture, combien de temps à l'avance? Est-ce qu'il faut obligatoirement s'y prendre limite? Un exemple bête, hein, mais genre 24 heures à l'avance, 48 heures à l'avance, et surtout, et on ne parle pas même pas des, on ne parle même pas des hautes saisons, parce que là, je pense qu'il faut réserver genre une semaine à l'avance. Oui. Deux jours avant, il n'y a plus rien. Et, mais logiquement, pour être sûr d'avoir une voiture chez RL Location, il faut réserver combien de temps à l'avance, logiquement? Alors, tout est relatif. Bon, si c'est la haute saison, bon, évidemment, ça se prépare à l'avance, hein, comme on dit. Après, dans les périodes dites moyenne et basse saison, ouais. La composition du parc fait que j'arrive toujours au jour le jour ou ouais. À 24 heures près ou au jour le jour à répondre okay. aux requêtes. Voilà. C'est excellent. Voilà. On va rappeler des choses encore une fois, peut-être bête, mais que vous ne savez pas parce que vous n'avez jamais loué de voiture. Que faut-il pour louer une voiture? Alors, simple. Déjà, enfin, pour louer une voiture RL, il faut avoir plus de 3 ans de permis et plus de 21 ans. Okay. C'est les conditions par rapport à mon assureur. Et sinon, ben, c'est juste le permis de conduire et puis le moyen de paiement qui est là, en tout cas pour la caution, la carte bleue. Ouais. Et pour les moyens de paiement, bon, c'est espèce, carte bleue, chèque. Et maintenant, je suis affilié aussi à NCV, les chèques vacances. Okay. Donc ça aussi, ça peut aider certains vacanciers en tous les cas ouais. À minimiser leur budget. Puisque c'est un moyen de paiement qu'ils auraient quelquefois mis à disposition par leur comité d'entreprise ouais. Ou leur employeur. Et effectivement, on n'en trouve pas beaucoup de loueurs qui l'acceptent. Donc, ouais. Quelquefois, ils sont obligés de le dépenser autrement. Mais moi, je fais partie aujourd'hui, en tous les cas, de ceux qui sont affiliés au chèque vacances. OK. Parlons maintenant logement, gîte. Bien entendu, vous avez la voiture. Maintenant, il faut le lieu. Oui. Parle-nous un petit peu du berceau de Moïse. Déjà, pourquoi le berceau de Moïse? C'est toi qui as choisi le nom? Oui. C'est très beau, je ne critique pas. Il m'a dit un jour, ouais, ça te plaît pas, mais c'est moi qui l'ai choisi. Non, c'est très beau, le berceau de Moïse. Non. Ça donne envie d'y aller pour se reposer. Oui, puisque on va dire les trois mots-clés qui remontent régulièrement à travers les remontées des clients, c'est calme, sérénité et sécurité. Ouais. Donc voilà. Alors pourquoi ce nom? C'est parce que j'avais une plante, ou je l'ai encore d'ailleurs, qui s'appelle le berceau de Moïse, okay. Et qui est une plante particulière parce qu'elle ne fleurit que la nuit. Ok. Voilà. Une plante magnifique. Ouais. Ok. Une plante magnifique, très parfumée, une fleur blanche. Et j'avais commencé à faire de l'hébergement touristique au départ, ouais. Chez moi, avec un bas de villa. Et c'est de là qu'est partie cette envie de développer l'activité. D'accord. Et je l'ai appelé effectivement le berceau de Moïse. Aujourd'hui, le berceau de Moïse, quand même, aujourd'hui, a une capacité de 24 personnes en couchage. D'accord. Et donc c'est quoi? C'est des petits gîtes rassemblés l'un à côté de l'autre On va parler de petites villas autour. Ok, de petites villas. Hey petite villa.
celui-là sur deux niveaux. D'accord, c'est bien ça. Voilà, okay. Comme par rapport à la géographie du terrain, donc la typologie du terrain fait qu'on était obligé de bâtir sous les deux niveaux. Ok. Effectivement, le logement avec une grande piscine, avec piscine à débordement. Et j'ai rajouté dernièrement deux petites prestations supplémentaires. C'est une salle de sport et une salle de soins pour les massages, pour ceux qui en veulent en tout cas. Oh, c'est-à-dire voilà. Qu'il y a un professionnel qui vient. Voilà. Il y a et un on peut se faire. Et c'est dans le prix. On peut en fait dès notre. Ce sont des prestations sous commande à part. Voilà. Ok. Et on peut commander cette prestation même si on a déjà pris possession des lieux. C'est-à-dire que si on découvre qu'il y avait pour un massage, on ne savait pas. Imagine, il y a quelqu'un qui a loué chez Auberge de Moïse et il ne savait pas qu'il y avait la prestation massage. Il regarde ça dans KNF. Ouais. Allô, Luc. Donc il y a d'autres prestations comme ça. C'est possible. Il suffit à ce moment-là. Avec le prestataire avec lequel je travaille, on le contacte et elle s'organise puisque les deux tables de massage sont déjà dans cette salle. Ouais. Donc, et ces produits aussi sont déjà là puisque c'est avec le seul partenaire auquel je travaille sur cette partie-là. Donc, ouais. Elle est chez moi, mais tout en étant chez elle puisque… Okay. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps justement pour développer tout ça, pour aménager? Parce qu'on n'a jamais fini finalement d'installer son petit berceau. Ça t'a pris combien de temps, combien d'années? Et est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as d'autres projets encore pour le berceau de Moïse? Oui, alors déjà pour répondre dans l'ordre chronologique des choses, j'ai commencé à poser les premières pierres à l'édifice 2012-2013 quand même. Okay. Voilà. Et pour tout achever officiellement fin 2018, hein. Ouais. Voilà. Bon, entre-temps, il y a toujours des projets supplémentaires. La preuve, la salle de massage, elle n'y était pas. Elle a été faite l'an dernier, okay. En 2021. Voilà. Et oui, d'autres projets pour RL Louis. L'idée, à un moment donné, là, cette année, j'ai eu, pour le berceau, pardon, j'ai eu l'agrément... avec la CAF pour les familles, pour les locaux. Okay. Voilà. Et je travaille pour avoir aussi l'agrément pour les seniors, puisque je voudrais vraiment, vraiment, dans un premier temps, que mes deux entités soient à disposition des Guadeloupéens, avant tout. Et j'ai un projet aussi pour le berceau pour Marie-Galante. Voilà. Ok, Marie-Galante. Parce qu'il a l'affût des festivals qui vont arriver à Marie-Galante, c'est pour ça. Il faudra aller au berceau de Moïse. En tout cas, on voit les vidéos, les photos juste à côté. Oui. C'est vraiment beau. Mais justement, tu fais quoi? Des locations court terme, long terme, ça se passe comment? On peut, si par exemple, quelqu'un veut te louer, veut te faire une location pour, par exemple, on va dire 10 mois, c'est possible? Ou même pour une année? Alors, non. Ça peut l'être, ouais. Mais c'est toujours très difficile à gérer dans la mesure où il y a toujours... des réservations déjà préétablies, okay. Quelquefois 6 mois, 1 an à l'avance sur certains logements. Donc c'est très compliqué de pouvoir partir sur des durées aussi longues. Ouais. Bon, après, j'ai eu l'occasion de faire du 1 mois, 2 mois. Okay. Même professionnel qui était de passage, puisqu'on a la zone de la Jola qui n'est pas très loin, okay. Qui était resté même 4-5 mois à un moment donné. Donc ce sont des choses qui sont possibles, mais tout dépend du calendrier, quoi, en fait. Voilà. Ok, de toute façon, la vie, il y a grande piscine, on a vu qu'il y a une cuisine à l'américaine, il y a un petit balcon. Petite question, mis à part la salle de sport et la salle de massage, est-ce qu'il y a internet, télé, est-ce qu'on a accès à tout? Dis-nous un petit peu, que peut-on retrouver? Si je viens, est-ce que je peux venir les mains dans les poches et je vais me sentir comme chez moi? Oui, puisque les logements ont été classés en 3 étoiles. Donc il y a l'internet, ils ont tous la télé, toutes les cuisines sont équipées avec le je dirais pas le minimum, puisque ouais. Bon, il y a un peu de tout vraiment, grille-pain, cafetière, bouilloire, four à micro-ondes, four à chaleur tournante pour ceux qui aiment faire la cuisine. Donc les logements sont équipés de façon qu'on arrive avec sa petite valise et ses vêtements, puisque les linges de maison, tels que les draps, sont ouais. fournis. Okay. Les serviettes aussi sont fournies. Très intéressant. Donc okay. Voilà, donc la personne qui veut faire un séjour, le minimum qu'on fait, c'est un forfait de nuit, c'est un week-end. Ouais. Ou pour ceux qui viennent au-delà, au bout de plus de 7 jours,
Systématiquement, ben, j'ai quelqu'un, en tous les cas, on s'organise pour que ça tombe en week-end, pour qu'on puisse faire le changement des draps systématiquement pour la personne. Okay. Ça fait partie de la prestation. Je préfère faire le lavage des draps moi-même, puisque après j'ai eu des surprises quelquefois. Ah ouais ? Genre qui mélangent les couleurs, mais voilà. Oui, voilà. Donc, pour ceux qui restent en tous les cas, séjourner plus d'une semaine au domaine, leur changement de draps et serviettes est prise en compte et automatique chez nous. C'est bien parce qu'on voit les images, on a vraiment l'impression que c'est super bien aménagé, que l'espace, vraiment chaque chose, voilà, que c'est pas les choses ne sont pas sur l'autre et compagnie. Justement, dans le milieu de la location, surtout des gîtes, des villas, etc., est-ce que vous êtes obligé de vous adapter par rapport à l'avancée du temps? Je parlais justement avec un ami qui loue et qui me disait, par exemple, qu'il offre des cadeaux à ses locataires. Il peut laisser une petite friandise ou des choses comme ça, au niveau aussi de l'Internet, en fait, de tout ça, ce dont on a parlé. Est-ce que chaque année, tu ajoutes quelque chose dans tes villas? Alors, l'Internet est gratuit, contrairement à certains hébergeurs où c'est facturé. Moi, c'est gratuit, d'accord. Et j'attends avec impatience la fibre, parce que la fibre n'y est pas encore. Et c'est vrai que même en prenant le plus gros forfait d'Orange professionnel, ça rame, puisque bon, il y a certaines télé qui sont des téléconnectées où les gens se connectent à Netflix ou autre dessus, et ça ralentit considérablement le débit. Voilà. Parce que ça, c'est bien. On fait une petite parenthèse. Les smart TV, donc là, vous avez tout, Netflix, YouTube, tout sur la télé. Ouais. Logiquement, à la base, vous n'aviez pas ça en location. Vous avez une petite télé qui va capter peut-être la TNT. Et c'est vrai que vous, plus ça va, plus vous nous offrez notre confort. C'est excellent. Donc, on était retour à la fibre. Donc, bientôt la fibre, Robert Smith. Voilà, oui, on est obligé de s'adapter et puis pour fidéliser nos clients. Bon, le prochain gros chantier que j'ai programmé pour le berceau, puisque j'ai déjà fait l'acquisition de 2 véhicules électriques. C'est de pouvoir mettre des bornes au domaine, et solaire de préférence. Et comme ça, le client qui va louer, qui prendra l'avion ou autre, qui viendra faire une semaine, parce que les locaux, le plus souvent, viennent avec leur voiture, évidemment. Le client qui va louer un gîte chez moi, qui viendra en vacances, il n'aura pas de souci à se faire au niveau de la recharge, parce que le problème des véhicules électriques aujourd'hui, ce n'est pas le véhicule en lui-même, mais c'est pouvoir se recharger. Donc, il pourra le soir tranquillement, une fois rentré au domaine, recharger son véhicule, sachant que les véhicules, ceux dont j'ai fait l'acquisition, recharger à bloc en une nuit, c'est vite fait. Ouais. Et avec une autonomie de 340 km, c'est suffisant pour parcourir la Guadeloupe pendant la journée et le soir rentrer au bercail, se recharger et puis voilà. Justement, que faut-il, maintenant on a vu pour la voiture, maintenant on va voir pour la location de villa, que faut-il pour louer chez toi? Je dois venir à quel papier? Pas besoin de papier, viens avec ton argent, tu veux. on réclame quand même par mesure de sécurité une pièce d'identité, voilà. Et puis la personne fait sa réservation soit en ligne ou soit par téléphone. À ce moment-là, pour bloquer sa réservation, lui est demandé un acompte de 30% de son séjour. Et le solde, il le fait à l'arrivée, soit par carte bleue, soit par espèce ou par chèque. Ou chèque vacances aussi, parce que là aussi, du fait d'avoir fait la démarche avec la CAF pour les familles, c'était lié, j'étais obligé de faire aussi l'affiliation pour les chèques vacances. Est-ce qu'on peut prolonger son séjour lorsqu'on est déjà dans le berceau de Moïse? C'est-à-dire que souvent, ça peut vous arriver, vous dites waouh, je dois rendre la maison demain, mais finalement, je serais bien resté 2 jours en plus, voire une semaine. Est-ce que c'est possible? Oui, alors c'est déjà arrivé, oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, tout dépend du calendrier. S'il n'y a pas une réservation juste après, déjà réservée. Établi, s'il n'y a pas de réservation, tout est possible, oui. Maintenant, forcément, souvent on a peur pour son bien, on n'accepte pas forcément n'importe qui. Quel client, par exemple, je ne vais pas dire que tu ne veux pas, mais que, bon, voilà, par exemple, les gens qui aiment bien faire la fête, un petit peu comme moi, à 2h du matin, mettre leur soca à fond, est-ce qu'ils sont acceptés dans la berceau de Moïse ou est-ce que c'est vraiment réservé aux personnes qui cherchent leur tranquillité? Pour ne pas déranger les voisins et compagnie. Voilà, alors c'est vrai que je préfère la tranquillité. Après, j'ai dû étudier quand même une autre formule pour les clients qui viennent en groupe quelquefois. Voilà, c'est ça. Et
et qui veulent organiser une fête ou un anniversaire. Puisque voilà. Le domaine possède aussi, on n'en a pas parlé, mais une grande terrasse de pratiquement 100 mètres carrés qui fait office de salle de réception ou de réunion pour les professionnels. Alors à ce moment-là, la formule que j'avais trouvée, c'est qu'ils privatisent le lieu. Pendant le minimum des deux nuits, et j'ai eu l'occasion de le faire, ils privatisent le lieu et pour faire leur prestation, quoi, c'est un anniversaire ou autre. Exact. Et je sais qu'à ce moment-là, l'ensemble du domaine est privatisé par le même groupe. Okay. Donc il n'y a pas de gêne occasionné. Parce que le domaine ayant la réputation d'être calme, les gens qui viennent chercher la tranquillité, par même temps, avoir du monde qui. Voilà. Qui sont en train de crier comme des fous à 2h du matin, joyeux anniversaire, c'est clair, parce qu'il y a de plus en plus, effectivement, de Guadeloupéens qui préfèrent pour rassembler un petit peu tout le monde et pour être un petit peu plus en sécurité. On reste au même endroit, dans une villa, donc on en profite pour faire la fête dans la villa. Mais je sais que souvent, ceux qui louent n'aiment pas trop par rapport aux voisins. Oui. Donc c'est vrai que privatiser tout le lieu, en plus, c'est deux fois plus pratique pour vous. C'est vrai. Tout le monde reste là, au pire des cas, vous restez, vous déposez les clés, vous restez là jusqu'à pas d'heure, tranquillement, il y a une piscine, vous vous réveillez avec le soleil à 6h du matin dans la piscine. Vous imaginez, le berceau de Moïse. Que peut-on rajouter sur le berceau de Moïse? En tout cas, même en privatisant, il faut toujours garder un œil parce que, bien sûr, par expérience vécue, j'ai carrément une personne qui avait privatisé le lieu et qui a carrément organisé une fête payante, commerciale, quoi. Voilà. Ah oui, carrément. Ah ouais, ouais. Et là, j'ai eu quelques remontées de mes voisins, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui. Ok, petit filou, justement, quel conseil pourrais-tu donner? Parce que c'est vrai qu'on peut vraiment tomber sur tout et n'importe quoi, et n'importe qui aussi. Quel conseil peux-tu donner peut-être aux personnes qui aimeraient se lancer dans la même aventure que toi? Sachant que la Guadeloupe devient de plus en plus touristique, va amener des personnes, donc peut-être que vous aussi, vous allez vous lancer dans la location. Un jeune qui veut se lancer dans la location, quel conseil peux-tu lui donner? La première des choses, je lui dirais avant tout, c'est se lancer dans la location, mais quelle est savoir la motivation. Ouais. Si dans ce qu'il va faire, ou il décide de faire, et qu'il n'y a pas l'amour de ce qu'il va faire, il n'a pas intérêt d'y aller. Parce que c'est, que ce soit la location de voiture ou l'hébergement, il faut être au service des gens. Et c'est clair. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Les dimanches, les samedis, les jours fériés, même les jours les plus fêtés, on travaille. C'est vrai. On travaille. Bah oui, les avions arrivent le 1er janvier. Ce sont des gens de vacances. Ils travaillent, mais ce sont des gens pour les vacanciers, en fait. Voilà. Exact. Les gens arrivent le 31, ils arrivent le 24, ils arrivent le 25 décembre, ils arrivent le 14 juillet. Exact. Ils arrivent pour Pâques. Donc voilà. Et même quand j'ai les locaux pour Pâques, les départs, c'est le lundi férié. C'est férié. Mais moi, je ne peux pas partir en week-end quelque part, et sachant que. C'est vrai, ça. Voilà. Donc. Il faut vraiment que le motif de l'action, en tout cas, soit l'amour de ce qu'il va décider de faire. Parce qu'avec les contraintes que ces activités-là, ça représente, on est vite lassé, quoi. Exactement. En tout cas, on vous rappelle le berceau de Moïse, on voit les images passer. C'est vraiment beau. Justement, sur quoi tu t'es basé pour la décoration? Là, je vois par exemple des couleurs vives, le rouge, c'est ma couleur de fou. Le rouge, j'ai vu une chambre tout à l'heure où il y avait des briques. Ça, ça fait très américain, c'est vraiment, ça fait très classe, ouais, exactement. Tu vois, Bruno, il a l'affût. Sur quoi tu te bases? Tu regardes, tu vas chercher sur les sites, tu regardes des films, ou c'est vraiment que toi? Tu te dis, non, j'ai déjà une identité, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. 100% du domaine a été pensé, réalisé, au niveau des choix des matériaux, du carrelage et de la peinture. Et ça a été vraiment de l'inspiration venant de ma part, 100%. Et c'est pas simple parce que c'est des jours passés dans des magasins avant de faire les choix. Ça demande beaucoup. Il faut savoir se projeter aussi. Hein. Exact. Il ne suffit pas de voir la chose dans le magasin, mais le projeter pour savoir est-ce que ça va rentrer dans le cadre sans choquer. C'est et ça. Voilà. Donc, globalement, quand j'ai le retour des clients, il y en a même qui pensent, qui me posent la question, quel est l'architecte d'intérieur qui m'a aidé non, vraiment, à réaliser. On regarde tout à l'heure, c'est bien fait. Voilà. Donc, mais ce sont des réalisations et avec des chefs d'entreprise, en tout cas, guadeloupéens.
C'est bien, il fait travailler. Et le par la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, c'est pas beau ça. Et excellent. En tout cas, on vous rappelle, le berceau de Moïse avec piscine, des petites villas aux huiles, une déco de fou. Vous pouvez privatiser le lieu. C'est au calme. Rappelle-nous l'adresse. Alors, le berceau de Moïse se trouve à Castel-Lamantin. Voilà, vous pouvez louer pour le court terme, pour le long terme, les professionnels, bien entendu. Si vous voulez, je ne sais pas, vous faire un petit week-end de travail. Ben oui, entre vous, il y a même une salle de 100 mètres carrés. C'est quoi, un balcon, tu m'as dit ? C'est une salle. Une salle de 100 mètres carrés. Terrasse couverte. Exactement, faire les projections, justement, des diapos et compagnie. Faites-vous un kiff, louez au berceau de Moïse. Mais justement, si maintenant tu as ambiancé un petit peu tout le monde, tout ce beau monde qui nous regarde, où est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Est-ce que tu as un site internet, non seulement pour le berceau de Moïse, mais aussi pour RL Location. On vous rappelle les voitures, c'est très important. Est-ce que tu as peut-être Facebook, Instagram ? De toute façon, ne t'inquiète pas, tout va s'afficher juste ici. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, bien sûr, à chaque fois j'oublie, on salue nos auditeurs sur la radio Éclair FM. Donc vous pouvez retrouver le berceau de Moïse sur Facebook. Le berceau de Moïse, c'est simple, avec les espaces. Sur Instagram, le berceau de Moïse 971. Tout collé. Et puis bien sûr, les sites internet leberceaudemoïse.com et rl-location.com pour les voitures. Vous aurez tout, une voiture, un logement. Que demander de plus ? Voilà. Comment tu pourrais motiver justement les Guadeloupéens qui cherchent et qui ont vu ça mais qui hésitent encore un peu à venir chez toi ? Ta caméra est juste là, vas-y. Ben, je leur dis de venir nous visiter, hein, avec les coordonnées qui ont été affichées. Ils peuvent nous joindre, nous sommes disponibles tous les jours. On reçoit, on n'a pas de jour bien déterminé pour recevoir du monde, hein, même le dimanche. Une arrivée peut se faire le dimanche, un départ peut se faire le dimanche, en tout cas concernant le domaine. Et pour RL Location, pareil, on a des véhicules fiables et j'invite en tout cas tous ceux et celles qui nous suivent de devenir nos clients. Ce serait une fierté pour moi de les avoir comme clients, tout en sachant qu'en étant une petite entreprise guadeloupéenne, hein, j'ai mis notamment sous RL les moyens d'avoir les mêmes prestations que les grands. C'est-à-dire que j'ai mon propre camion de remorquage. Quand un client est en panne, je lui ramène un autre véhicule sur site et je repars avec celui qui est en panne. Donc voilà. Donc, service complet depuis le départ à l'aéroport, pour ceux qui arrivent de l'aéroport, au port de Pointe-à-Pitre aussi, et le port de Trois-Rivières aussi, puisque grâce au camion de remorquage, nous acceptons les retours au port de Trois-Rivières et les départs au port de Trois-Rivières et les retours à l'aéroport. Voilà. Vous avez entendu ? Il est là pour vous. Vous avez un problème, appelez Luc. Il va tout faire pour vous. Voiture, location, etc. En plus, l'histoire des minibus, 7 personnes et les amis artistes qui viennent, des fois, vous ne savez pas, pour prendre tout le monde, aller chercher quelqu'un à gauche, à droite. Vous louez un bus. Voilà, RL Location. Et puis vous allez chercher artistes, DJ, compagnie. Vous avez de la place pour mettre la sono et puis en route. Merci en tout cas d'être passé pour nous présenter tout ça parce que honnêtement, je cherche des endroits, des petits lieux de location tranquille, au calme. Moi, ça me plaît bien. Et souvent, c'est vrai qu'on est en galère de voiture. On appelle tout le monde, il n'y a jamais. Et là, on sait au moins à qui s'adresser. Merci à toi, Luc. Et dès que c'est ouvert à Marie-Galante, tu repasses pour nous dire hey, c'est ouvert à Marie-Galante. Et la prochaine étape, ça sera les Saintes. Hein. Hey, faut ouvrir quelque chose à terre de haut. Hey, on verra. Merci à toi. Et puis, on te dit à très, très vite. Nous, on se retrouve aussi très, très vite. Et oui, mais tout ça, c'est après quoi ? Une page de pub. À tout de suite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.